Hey, bonjour à tous, on se retrouve pour cet épisode 17 de Stardew Valley. Donc je vous avais dit qu'on irait à la mine, donc c'est ce qu'on va faire, mais avant je vais essayer de couper encore un ou deux arbres, enfin deux chênes, histoire de pouvoir avoir encore des casse-croûtes. Voilà. Parce que vraiment sans casse-croûtes, on va pas pouvoir aller loin dans la grotte. Ça je peux le laisser à la maison, ça aussi. La pioche, non, on la garde. Les casse-croûtes, on les prend. Ça, on va le garder sur nous, histoire de pouvoir voir ce qu'on peut faire. Hop, avec la hache, on va se permettre de casser ça. On va essayer d'avoir au moins un gland. Ça serait pas mal parce qu'en vrai, j'ai pas plus de pain que ça. Donc, ça sert à que dalle, on va dire. Et j'ai pas eu de gland. Bon, allez, s'il vous plaît, soyez sympa. J'ai pas envie de gaspiller 15 000 énergies pour pouvoir avoir ça. Parce que j'aimerais bien atteindre le niveau 10. Mais vraiment, les gens. Parce que voilà, on va souvent dans la mine, mais on n'atterrit pas là où on veut. Donc c'est un peu dommage. Non, tourne-toi. Ok, on n'obtient que du bois en coupant les petits. Donc ça sert à que dalle. Ok. Allez, copains! Voilà, on a obtenu deux glands. Donc, on va essayer de couper un sapin pour essayer d'avoir un truc de pain là. Hop. Et après, on y go. Yes, on en a eu trois. Oh bah écoutez, on va avoir quatre casse-croûtes sur nous. C'est juste top. Hop. Voilà, on a quatre casse-croûtes sur soi. Écoutez, c'est bien. C'est plutôt bien. Donc c'est parti, on y va, on va reposer ça dans les coffres et on va aller à la mine. Hop, donc on pose tout ça, tac. Et c'est parti pour la mine, les amis. Allez, Robin qui commence à attaquer le moulin, le silo, pardon. Donc je sais pas comment on s'en sert du silo, mais écoutez, au moins on l'a. Ah, il y a un truc qu'on n'avait pas encore vu, donc peut-être que ça se mange. Je vais aller le récupérer quand même. Est-ce que ça se mange? Yes! Oh bon, écoutez, on va essayer d'en trouver d'autres sur notre chemin, hein, ça pourrait être cool. Parce que là, on a déjà utilisé quasi un tiers de notre énergie, je dirais, au vu de la barre. Donc c'est un peu triste. Mais c'est pas grave, on va y arriver. Donc l'épisode à fond sur la mine, on va essayer d'avancer à mort. Parce que j'en ai marre de galérer sur beaucoup de choses. Ah, et un petit truc. Ah, j'ai complètement zappé l'histoire de l'anniversaire dans le dernier épisode. Je crois que c'est passé du coup. Ouais, c'était hier. Oh, punaise, j'étais à fond dans mon silo. Est-ce que nous pourrions m'en amener? Il faudra un piment? Bah j'accepte. J'accepte parce que on en a mis à planter du piment. Donc ça pourrait être bien. Alors là, on va aller directement chez Robin. Et on n'a plus qu'après à dévier pour pouvoir aller. Non. Ah non, c'est sorte communale. Donc tac tac tac, hello, tu passes par là. On contourne pour pouvoir aller tout simplement à la mine. Alors, est-ce qu'il y a d'autres plantes rouges? Non, je vois des espèces de glands au sol. Je sais pas trop à quoi ça sert. Ah bah si, c'est là chez Robin. Bon, ça va, j'étais pas dingue. Tous les chemins mènent à Rome, de toute façon, c'est pas grave. Là, il faut qu'on passe à côté de chez Linus pour pouvoir aller à la truc. Voilà, c'est ici. Alors, c'est parti. On va essayer d'atteindre le niveau 10, du coup. On va essayer de rush. Pas trop casser de cailloux. Juste casser les cailloux pour trouver le chemin. Non, l'échelle, hello. Bon, allez les gens. On va essayer d'y croire. Et d'y arriver. Ah, punaise. C'est la galère pour trouver les échelles. Je vous le dis. Hop. On a encore une géode. En vrai, il faut qu'on tue tous les bestioles parce que ça fait partie de la truc des assassins. Des aventuriers. J'allais dire des assassins, mais non, c'est des aventuriers. Et il va nous en falloir 100 de trucs de slime là, donc pour la quête des Juminos, donc voilà. Ça gâche de l'énergie, mais voilà, on n'a pas trop le choix, j'ai envie de vous dire. C'est vrai qu'en combat, on peut pas changer. Ça, c'est le truc qui m'agace, vous voyez. On peut pas changer. Ah, faut que j'aille ouvrir ça. Ça aussi, faut en tuer. Ok, il m'a enlevé des PV, c'est pas grave. Il y a l'échelle. On est au niveau 3 là, donc on va essayer de trouver l'échelle pour pouvoir descendre. Donc je sais qu'elle est pas ici. Hop, on l'a tué, c'est nickel. Alors, hop, on va passer là, on va essayer de contourner les cailloux histoire de pouvoir avancer. On va tuer lui.
Je sais plus où aller l'échelle du tout dans ce coin. C'est agaçant, ça, vous voyez. De devoir creuser. Encore, vous voyez, il y aurait un caillou précis et tout qu'il faudrait casser d'autres pour pouvoir l'atteindre et tout. Ça irait, mais là... Hop. Oui, je veux la manger. Merci. Ah, il y a un truc qu'il nous faut, là. Alors, il y en a un qui s'est caché, là, d'espèces de crabes des grottes, là. On est en train de gaspiller de l'énergie à vouloir combattre un truc qu'on peut pas atteindre à cause de l'autre. Ah, meurs, bon sang! Qui t'a dit de m'enquiquiner, là, le crabe, là? Ah, là, je trône! Allez, meurs! Fumier! On est au niveau 3 seulement, punaise, mais... C'est horrible. Allez, s'il vous plaît, je voudrais atteindre le niveau 10. Il est déjà 13h. Alors, où est-ce qu'elle est, l'entrée? Ah là là. Et j'ai pas de mémoire, les gens, pour ce genre de truc. Alors, c'est juste un carnage. Parce que là, on vient d'ici. Oh, punaise! C'est un espèce de crabe. Meurs, salopard! Pardon. En vrai, je me demande si on devrait pas rentrer, casser encore des arbres pour essayer d'avoir plus de sandwich et partir le lendemain à l'aube. Parce que là, je casse dans le vent, j'ai envie de dire, parce que je sais pas où est l'échelle. Ah, punaise. Elle est où, cette échelle? Mais il n'y a aucun moyen, mémo... Ah, punaise, enfin l'échelle. Alors, le niveau 4. Allez. S'il vous plaît. Il n'y a pas l'échelle. Allez. Oh, punaise. Elle n'est pas là, l'échelle. Oh là là, les gens, je déteste venir dans les grottes. C'est un carnage. Bon, il y a un bestiau à tuer. On va s'en occuper. Alors, ok. Ah, nice! Niveau 5! Allez, encore 5 niveaux. Et on sera là où on veut aller. Nice, on l'a tué. Ah, il nous a donné un couteau. Oh! Pas mal. Pas mal, pas mal. Du coup... Allez, copains. 99 slimes, je crois qu'il nous fallait. Hein. On a 6 pour le moment. Il va falloir venir en buter. Hein. Clairement. Alors, où est-ce que... serait... Ah, l'échelle est là. On va aller tuer lui d'abord, peut-être. Ouais, il est 16h30. Faut qu'on fasse attention à l'heure. Parce que si on dort pas à partir d'une certaine heure, on tombe de fatigue. Alors, on y retourne. On va aller en bas. Alors, niveau 6. Ah, oh, nice, on a du quartz. Il nous en fallait. On va prendre un casse-croûte. Allez, s'il vous plaît, je veux juste atteindre le niveau 10. Je cherche pas à atteindre le niveau 40. Mais le niveau 10 pour la quête, ça serait bien. Alors, est-ce que c'est plus là-haut, du coup, l'entrée? Ah oui, elle est là. Non. Non, c'est pas ça que je veux faire. Non. Je sais pas comment je fais pour voir le chat. Je sais même pas comment on fait. Ah, il y a encore un tonneau. Alors, on va aller au niveau 7. Il est 17h30. Oh, punaise, c'est cool, on a du charbon. Alors, niveau 7. Allez. Oh là là. Et l'heure, elle passe tellement vite dans le jeu, c'est affreux, on n'a pas le temps de faire des trucs. Alors, où est-ce que serait l'échelle au niveau 7? Alors... Allez, s'il te plaît, j'ai pas envie de recommencer. À zéro.
niveau 8. C'est parti. Allez, j'ai envie d'y croire, s'il vous plaît. Purée, il va être déjà 19h. Pourtant, j'ai l'impression de pas avoir traîné. Hein. Je pense que c'est le fait d'avoir cassé les arbres qui nous a mis dans la panade, en fait. Yes! Niveau 9. Il est 19h20. Oh, l'énergie. Alors, où est-ce que serait l'entrée? Je sais pas si c'est vrai ou si c'est une impression, mais j'ai l'impression que c'est souvent sous ces cailloux-là. J'ai l'impression. Pas certaine de mon coup, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est derrière les cailloux blancs, un peu. Alors, il y a un bestiau à tuer. Ça va, ils sont assez faciles à tuer, ceux-là. Ça tombe, je suis en train de complètement me foirer, hein. Mais je sais que le prochain niveau, on... Ah, elle est là! Il est 20h. Yes! Ah, des bottes en cuir! Vous avez obtenu bottes en cuir. Eh, c'est quoi ça? Algue blanche? Nice! Alors, on continue un petit peu. Ils m'ont pas parlé de l'histoire de l'ascenseur, mais à ce qui paraît, c'est ça. Donc, j'espère que c'est vrai. Et qu'on va pas devoir tout recommencer. Alors. Il y a un slime. Allez! Meurs, bon sang! Alors. Allez. Il est 21h30. Il va falloir qu'on sorte. J'ai envie de vous dire. Malheureusement. Allez. Alors, je sais pas trop par où. Il faut sortir par là. Sortir de la mine. Non. Ouais, attends, là, il m'a fait redescendre qu'au niveau 1. Bon, écoutez, on doit rentrer à la maison parce qu'il se fait tard. On revient dès que on a passé la nuit. On va venir voir ce qui se passe. Voir si on peut utiliser l'ascenseur. Non, hello, pas comme ça. Va par là, il faut que je descende un peu plus bas. Hop, on va descendre par ici. On va retourner à la maison. On va dormir. Et on va revenir voir si on peut prendre l'ascenseur. J'espère, parce que sinon, clairement, je pleure, les gens. Non, je rigole, je pleure pas. Mais voilà, ça t'a un petit peu la galère. Pourquoi? Ah oui, il y a une petite histoire. Alors, on voit Linus qui fouille une poubelle. Le petit vieux là qui râle, là, le râleur. Ok. Greux, ces ratons laveurs sont encore revenus, sale vermine. Ok. On a une petite, cinématique. Ah, tu arrives au bon moment, jeune fille. Pourrais-tu rendre service à un vieil homme? Peux-tu aller voir derrière la maison et aller faire peur à ces ratons laveurs? Ils font un boucan pas possible. Merci, flanqueur la trouille de leur vie qui ne reviennent plus. Ok. C'est pas derrière ton laveur, c'est Linus, mais bon. C'était moi, je suis désolée. Le pauvre Linus. Pauvre petit Linus, les amis. Je trouve beaucoup de bonne nourriture parfaitement comestible dans cette poubelle. Qui serait gaspillée si je ne le prends pas. Tu penses que ce que je fais est mal? Oui, c'est dégoûtant. Non, c'est une honte que la nourriture soit gaspillée. Oui, c'est illégal. C'est la propriété. Non, mais tu devrais trouver un travail et arrêter de profiter des autres. Mais c'est affreux les réponses. Bon, bah la seule réponse que je trouve...
normal, on va dire, hein. Non, c'est une honte que la nourriture soit gaspillée parce que clairement les autres, c'est pour l'enfoncer le pauvre. Merci Hello, je savais que tu étais ouverte d'esprit. Je pense que ce que je fais est bien. Je ne fais de mal à personne, pardon. Et Hello qui galère à lire. Ok. Tu peux rentrer, je te promets que je ne fourrerai plus dans la poubelle de Georges. Tu peux aller lui dire que tu as effrayé les ratons laveurs pour de bon. Alors, qu'est-ce qui se trame? Il recommence à fouiller notre poubelle, mais en même temps, c'est normal, il a faim, quoi, le pauvre homme. Attends. Donc, Gus, le propriétaire du saloon, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il est effrayé. N'aie pas peur, Linus, je pense pas qu'il va te faire de mal. Je sais ce que tu faisais, Linus. Alors là, Linus, hop. Si tu as besoin de nourriture, tu n'as qu'à demander. Personne ne devrait être affamé à Pelicanton. D'accord. Voilà, j'ai un panier de beignets aux courgettes pour toi. N'oublie pas de les tremper dans ma sauce marinara épicée. Allez, prends-les. Oh, il est sympa, Gus, dis donc, les gens, vous avez vu? C'est de toute bonté. Alors, qu'est-ce qui se trame? On peut rentrer chez nous? Yes, ça y est. Je suis où là? Je sais même pas où je suis. Ah si, là, c'est le centre communautaire. Ça y est. On va descendre, on va passer devant chez Pierre. Il est 23h30, il faut que je sois vite rentrée chez moi. Allez, 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 l'eau. Je pense pas qu'on va récupérer toute notre énergie du coup. Mais je veux juste aller voir si ça a marché l'histoire de l'ascenseur dans la mine. J'espère. Allez, Lou. Allez, 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 petit bonhomme, rentre chez toi. Oh, tu es encore en train de bosser, Robin? Hey, il est l'heure de dormir. Allez, on dort, c'est parti. Yeah! Nous, niveau 1 combat, plus 5 HP. Et j'ai un anneau solide, nouveau schéma d'anneau solide. Je sais pas trop à quoi ça sert. Alors, non, artisanat. Dix lingots de cuivre divise par deux la durée des effets négatifs. Oh, c'est cool! 10 cristaux de terre, du quartz raffiné. Donc, comment on fait? Je sais pas comment on fait pour avoir du quartz raffiné. Chemin en gravier. L'arénette, le fertilisant, je m'en fiche. Pancarte en bois, des ruches. Ah, on peut avoir une ruche. On n'a pas encore de fer. Bon, par contre, on a récupéré toute notre barre d'énergie. Je suis plutôt satisfaite. Ah, attendez. On va mettre tout ce qu'on a eu dans les coffres. Ah, ça rapporte de l'énergie, ça. On garde. Alors, plus 1 en défense. J'ai déjà des bottes. Où est-ce qu'on voit? Ah, là. Ah bah c'est mieux. C'est mieux ça du coup. Ah l'anneau se met là, ok. Non, c'est pas ça que je veux. Non, c'est pas ça que je voulais. Je me foire. Artisanat. Bac à conserve. Ah ouais. On pourrait faire des choses. Bon. Mon arrosoir. Je sais pas si le blé est ramassable, donc c'est le seul moyen de le savoir. Il y a un courrier. Bah alors. Alors, demain, nous irons tous à la plage pour le pont pot-au-feu communal traditionnel. Le temps fort de cet événement est le pot-au-feu. Naturellement, auquel chacun est invité à apporter un ingrédient. Amène le meilleur produit de ta ferme, le gouverneur lui-même sera présent. Alors fais en sorte de bien te tenir. Rendez-vous à la plage entre 9h et 14h. Je veux bien, mais j'ai rien en fait. Merde, Lewis. J'ai rien de poussé, moi, j'ai que du blé, à la rigueur. Donc ouais, il y a le blé, il est pas encore ramassable. Alors écoutez, je vais arroser, on va arroser vite fait le blé ensemble. Comme ça. Après, on va aller à la mine. Et on va aller voir ce que ça donne. On va aller voir si l'ascenseur marche. Voir si on peut continuer un peu les niveaux.
Non, mais remplis-le l'arrosoir. Bon sang. Je vais juste aller voir ça au niveau de la mine, hein. Après, il faut qu'on arrose pour pouvoir récupérer tout ce qu'on a planté, hein. Parce que voilà, il faut pas oublier qu'on a les saisons du coup qui sont galères à gérer. Donc là, on est déjà au jour 10. Donc un peu dommage. Alors ça, on le met là-dedans. Bah, je ramènerai du blé, vous savez quoi. Ouais, on fera ça. Du coup, la dague. 1 à 3 de dégâts. Ouais, bah, ça va que dalle. J'en ai déjà une en plus. Je vais la vendre. Et les bottes, on va voir si on peut les vendre dans le truc là. Ah, on peut pas les vendre. Ok, donc je vais les garder pour l'instant. On sait jamais si un jour on peut les vendre quelque part. Hop! Alors, on entend notre chien. Ah, j'ai pas mis d'eau dans sa gamelle. Je suis indigne comme maître. Ah, nickel, on a un petit fruit là. Allez, c'est parti. On retourne à la mine. Et après, on vient. Et quand on rentre, on va arroser l'autre partie du champ. J'ai juste envie de voir ce que ça donne. Si ça a vraiment marché l'histoire de l'ascenseur. Et on essaiera de progresser dans la mine pour aller au niveau 40, hein, bien évidemment. Hein. C'est un peu l'objectif ici, on va dire. Hop. Alors, on remonte. Tac, tac, tac. Donc, il n'y a rien à ramasser. Non. Là non plus. Ok, il n'y a rien à ramasser. On poursuit. On poursuit la montée, les amis. Allez, compagnie. Il y a encore un fruit. Yes. Yes. Eh, il en faut, je crois, pour le centre communal. Ah, il y a les whis. Alors, est-ce qu'on peut se servir de l'ascenseur? Toujours pas? Ah, 6, 5. Ah, mais déjà, dès le niveau 5, on pouvait, en fait. Ah non, c'est que tous les 5 paliers, on peut descendre, peut-être. Ah, je suis tentée, les gens. On continue un peu. Allez, on va essayer d'aller au niveau 15. Allez. Allez, de toute façon, il va nous falloir du truc de slime. Alors, écoutez, hein. Wouah! C'est quoi cette bestiole? Wouah! Il a combien de PV lui? Wouah! Vache! Allez! Mourez! C'est les plus galères à tuer, je trouve, les slimes. Alors, ok, il y a un champ de rail. Allez, mourez! Voilà. Ah, nickel, on a déjà plein de slimes. C'est cool. Hop! Il a pas eu le temps de me toucher. On va devenir un exterminateur de slime. Allez. Allez, meurs. Voilà. Nickel. 6 slimes en plus. Donc le truc, le wagon, on verra ça plus tard. On va essayer de descendre, ouais. D'accord, on obtient aussi de la fibre ici. Wow, eux, ils sont très rapides à tuer. Ah, du quartz, je prends. Ah, il y a un slime avec un truc sur la tête, là. C'est quoi ce délire? T'es quoi, toi? On va prendre un truc pour se restaurer un peu de santé. Wouah! Non, on est mort! Oh non! Réveille-toi. Je t'ai trouvé inconscient dans la mine, heureusement que j'étais dans le coin. Merci Linus. Sois plus prudent la prochaine fois, ok? Oui Linus.
J'ai perdu quoi? J'arrive pas à savoir ce que j'ai perdu, les gens. Non, j'ai... Non, 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 je veux pas acheter un snack, je veux l'utiliser au contraire. Oh bah les gens, sacrée histoire. Oh la vache. Bon, bah au moins on sait que l'ascenseur marche, écoutez. On va retourner à la maison. On va retourner à la maison pour arroser ce qui nous reste à arroser. Et puis bah on va voir ce qu'on va faire pour la suite de l'épisode. Clairement je suis contente, voilà, on a avancé dans la mine. Après voilà, je suis pas glorieuse, on va dire. Si, on a perdu le slime. Ah, zut. Flûte, zut, zut, zut. Alors, il faudra qu'on garde une ardite parce que je crois qu'il en faut aussi pour le truc. Alors, est-ce qu'il y en a encore là? Non. Bah écoutez, on va descendre à la plage. On va aller voir s'il y a des trucs à ramasser. Et puis, bah, après, on va aller arroser les champs. Hop. Oh là là, je vous jure. Je suis vraiment un phénomène. Hein. Une calamité que je suis. Alors. Voilà, on passe par ici. Tac, tac, touc, touc, touc. Allez, on va sur la plage. On va aller ramasser des petits coquillages et tout, là. Alors. Y a rien, y a rien, y a rien, y a rien. Y a rien. Y a Lee, je crois qu'elle s'appelle. La demoiselle. Sérieux, il y a que dalle à ramasser? Ah si, il y a des trucs. Il y a du corail. Non, 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 non. Je me foire souvent de touche. Hein. C'est terrible. Hop. Ah, nice, un truc d'argent. Ça va nous rapporter un peu plus. Et voilà, on en a deux d'argent. Eh bah écoutez, c'est parti. On rentre à la maison, les amis, et on va essayer de voir. Bah, en vrai, le prochain truc, je pense que ça serait le poulailler à monter, du coup, parce que ça fait partie de la quête. Il faut du piment aussi pour la quête qu'on a avec la demoiselle. Et ouais, il faut qu'on trouve où est le caleçon du maire aussi. Alors, je vous avoue que là, à part explorer le coin, je vois pas trop ce qu'on peut faire. Écoutez, on va passer par le bas de la maison, histoire de pouvoir voir s'il n'y a pas quelque chose quelque part dans le coin. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose ici? Est-ce qu'on verrait un caleçon, quelque chose ou pas? Il y a encore Elliot. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui traîne dans le coin? Ah, bah une ardite, on prend. Enfin, un pot de senteur, pardon. L'ardite, c'est le truc qu'il faut qu'on mange, c'est ça qu'il me faut. Ah, un écureuil, oh, c'est cute! Je kiffe. C'est trop beau. Alors, Il n'y a rien dans le coin? Non, il n'y a rien qui se promène. Là, on est au niveau de la décharge, quasi, je crois. Ici, il n'y a rien qui traîne. Donc, le caleçon du maire est pas là. On va monter un peu plus loin. Alors. Je me suis paumée ou quoi, là? Et l'eau s'est-elle paumée, les gens? On va remonter la côte. Hop, ah bah. Encore un pot de senteur, je prends. Hop. Alors, est-ce qu'il y a un chemin pour aller à la maison? La carte. Ça ira plus vite. Je suis là, ma maison est par là. Donc, je suis partie beaucoup plus loin que la maison. Donc, forcément que je galère à avancer. Alors. Alors, copain, passons par là. Alors, eh ben nickel, on est à la maison, ça y est. Voilà. Alors, je vais mettre à vendre ce que j'ai pas besoin. Ça, ça, ça.
Ça et ça. Parce qu'ils ont des étoiles. Je garde quand il n'y en a pas d'étoiles. Parce que sérieux. Celle-là, je vais la vendre du coup. Tac, tac. Ça, l'algue verte et ça, on va le garder précieusement pour plus tard. Il me faut l'arrosoir. Et du coup, ah oui, on a la fête. C'est ça qu'il faut faire le prochain la prochaine journée. Alors, j'arrose tout ça et je vous reprends après, les amis. Alors, les amis, on se retrouve. On a encore un peu d'énergie. J'ai arrosé le champ. On va casser quelques arbres. Voilà, histoire de pouvoir peut-être récupérer encore des glands ou je sais pas trop quoi. Voilà. Tac. Les petits, on va les laisser pousser à fond, ça sera mieux. Ah, on n'a plus d'énergie. Attendez, on va juste faire le tour pour récupérer ce qui est tombé de l'arbre. Hop, voilà, on va aller dodo. Et le prochain jour, du coup, c'est leur fête au niveau de la plage. Donc, je pense que clairement, on va apporter du blé. Voilà, on va apporter du blé. Ça sera pas mal. Hop. Dans le prochain épisode, je ne sais pas du tout ce qu'on va faire. Je vais voir. On va voir. Hop, on fait dodo. Alors, voilà, on a vendu ça. Je viens de regarder. Ça fait déjà une demi-heure que j'ai rec. Donc, entre les petits cuts par rapport au champ. Voilà, l'épisode est déjà assez long comme ça. Donc, je vais m'arrêter là. Donc, on verra l'histoire de la fête après. Dans le prochain épisode, du coup. Voilà, je vous remercie de suivre la série. N'hésitez pas à commenter la vidéo parce que j'ai très peu de commentaires sur cette série. J'aimerais bien avoir des retours, voir si ça vous plaît, etc. pour ceux qui regardent. Voilà, je vous laisse là pour cet épisode. Le suivant, la semaine prochaine. Demain, pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Portez-vous bien, les gens. Ciao, ciao!